Et bonjour YouTube, bienvenue sur cette troisième portion et ma transition me fait sauter, non. Alors, bienvenue, on est toujours avec les attardés là, Gara. Bonjour. Mais il y a juste un attardé donc j'ai pas besoin de dire. On est avec Dilou et on est avec Trom Trom. Bonjour. Bonjour. Et là Dilou veut m'emmener dans... J'ai peur que tu dises que j'étais un attardé aussi. Non, vraiment, il y a juste Gara, il y a juste Gara. Non mais ça suffit toi, moi j'ai une épée en diams, en fait, pas chier toi. Alors... On s'en va rejoindre Dilou qui nous emmène avec lui. Je sais pas s'il va nous emmener dans sa van. Oula, ça lag votre île là. Vous avez fait sur votre île là. Oui, c'est normal, t'inquiète. Ils ont fait beaucoup de trucs. Ah, il y a les portails qui se sont rajoutés depuis la dernière fois là. Il y avait pas ça là. Il s'est rien passé. Il y a pas tout ça. Oula, c'est cool ça. Oh, c'est tout. Le monde de minage, c'est parti. Pour traverser, pour shift. Du shift. C'est de la merde ça. Shift. Portail qui fait même pas son travail de portail. Ah non, pour le coup c'est super bien, c'est parce que au moins quand tu passes dedans, et au moins c'est toi qui décides quand est-ce que tu... Et au moins les mobs ils passent pas à travers. Et là c'est à ce moment que le jeu plante et qu'on a un annu, c'est ça? Non. Non, on est déjà parti. Ça serait bien de me dire que quand vous passiez pas, quoi, parce que... Minecraft. Oh, ça te fait laguer encore toi? Moi j'ai freeze 3 fois là. Ah ouais. D'accord. Je suis là Dilou. Ah mais c'est peut-être de ma faute parce que là mon... Ah. Ah, le PC, Minecraft, il a dit non. Il est en mode voilà, encore je suis là, t'es où? Merde, là. Il m'a vu. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le monde qu'on peut détruire. Wouhou. Donc là, tu fais... je sais pas si sur ta map, c'est... Enfin, chez toi, c'est la même chose. Oui. Tu fais J. Normalement, ouais, c'est la mini-map. Ouais. Enfin, pas la mini, la grande map. Bah, j'ai une map, quoi. Ouais, t'as la map. Tu vas peut-être voir, je sais pas si tu les vois, des grands carrés blancs. Bah, y en a un peu plus bas au sud. De large. Non ? C'est pas ce qu'il y a au sud, là ? Au sud. Mais tu peux regarder sur ta map ? Juste en dessous de nous ? Non. Non, juste en dessous de nous, non, c'est pas ça. Non, mais encore plus au sud. Le gros carré gigantesque. Là. Ou c'est quelqu'un qui a fait une machine? Je pense que c'est quelqu'un qui a fait une connerie. D'accord. On va aller plein est. Vous savez, s'il y avait un mode lama, on pourrait aller plus vite. Comment ça se fait que tu cours si vite que ça, toi? Bon. Bah, parce que je... Moi, j'ai pas de chapeau, je veux un chapeau. J'appuie sur le bouton sprint. J'appuie sur le bouton de sprint. Le chapeau. Comment on met un chapeau déjà? Ah, mais je le mettrai pas tout de suite. H. Non. H. Ah, je peux le mettre par-dessus. C'est cool, ça. Oui. Donc, c'est des trucs comme ça. Il s'avère que celui-là. Il a déjà été pillé, c'est ça? Eh ben, même pas. Pourtant, il est à côté du portail. Mais ça ressemble quoi sur la map? Non, j'aurais dû déjà le piller. J'aurais dû le défoncer. D'accord. J'y ai pas pensé. Bonk. Attention, ça fait mal. Ouh. Voilà. Et là, on fait quoi avec le floating donc, cristal? Donc, dans les grands comme ça, dans le grand temple, t'as toujours deux coffres. Un coffre là, que je vais récupérer. Voilà, et puis un autre qui est ici. Voilà. J'ai oublié de prendre un truc. J'ai fait le con. Voilà, qui dit s'il y aurait un mode lama, il arrêtait pas de cracher. Mais c'est pas grave, ça serait cool. Qu'est-ce que j'ai pas compris la blog, je crois, le Québec. Qu'est-ce que t'as oublié, dis-nous? Bah, peut-être de te dire de prendre les items pour crafter. Ah!
Bah oui, si tu me fais crafter des trucs ici, oui. C'est pas con. Dis ça, je dis rien. Mais on peut pas partir avec le cristal ? Non, on peut pas casser le cristal. Triste. Toujours rien. Essayer, hein. Non, on va te regarder, on va te dire non. On va éviter. On va éviter. T'es KT, j'arrive. D'accord. Bon, pendant ce temps. Oui, dans Discovery, dans notre petit livre, on voit les différents éléments. Ah, bah j'ai eu un rich slack chicken, j'ai le tram. Je vais pouvoir le faire. Nice. Vous avez vu, on s'est fait abandonner par notre professeur. Ouais, ouais, t'es caté, j'arrive. Ouais, là, là. Heavenly Dragon Fly. Viens ici, je dis. Pendant ce temps, on s'amuse hein, quand vous voyez les gens. Et tu vas arrêter de te plaindre, toi, là, non mais oh. Putain, il est québécois. Ah, on dit d'où arrive. Bonjour. On t'entend des kilomètres à la ronde, monsieur Aaron Group. Putain, il a une fusée dans le dos. Vous avez un gros marteau, monsieur. Ouais, ouais, je sais, je suis au courant. Voilà. Tiens. Faut que tu fasses une table de craft. Table de craft normale ou... Oui. D'accord. Ça, ça va, je sais encore faire. Tu vois qu'il vient de se passer quelque chose ? Ouh ! Regardez les gens. C'est une anomalie. Je m'en fais une belle de l'anomalie. Donc là, si tu regardes dans ton bouquin de quête, ouais. Tu t'expliques les... La constellation Discovery. Qui est à faire en premier. Donc faut que je crafte la petite constellation Pepper. Ah, moi j'ai pas du tout la même chose là, dans mon livre. Hein, quoi? Ah oui, parce que c'est pas relié, donc il faut commencer par le truc qui est relié à tout, c'est ça? Bref, ils font une baguette magique. Ouais. La première, c'est la baguette. La baguette. L'eau baguette. L'eau baguette. J'ai une baguette, j'ai fini le jeu. Voilà. Donc, il y a deux items que tu peux crafter comme ça. Ouais. C'est donc la baguette et celui d'après. Le la Luminous Crafting Table. Ah, ça. Je crois que je t'ai pas pris de Souti Marvel. Non, tu m'as pas pris de Souti Marvel. C'est tout ce qui manquait. On va gérer ça, t'es comme ça. J'étais presque un bon professeur. On était à ça, là. Voilà, c'est bon, j'ai de la colle. Cool. Fais pas chier. Ça casse tellement vite. Du coup, tu m'as dit que ça s'appelait comment déjà? J'ai oublié le nom du truc. Luminous Crafting Table. Ouais, voilà, il y en a pas 45 000 qui s'appellent Lumino. Il faut que je crée avant un de la Souti Marble. Il va manquer un marble pour ensuite faire l'autre truc. Voilà. Ensuite, il me faut la résonance magnétique de la mort, là.
Ah, il manque encore de marbre, j'en ai pas assez. Voilà. Par la suite, il va me falloir une table de craft. C'est quand même con, il faut une table de craft pour crafter une table. C'est... Oui, de craft. J'ai réussi. Bravo. Merci. Ma vision expand. Ah, j'ai débloqué. J'ai débloqué le exploration. Voilà. Ça permet d'avoir plein d'autres trucs. D'accord. Est-ce que quand tu as récupéré les Constellation Paper, il t'a dit que elle t'avait appris des choses. Ou il y a marqué There is nothing machin. Je crois que c'est ça. Je pas dire. Hero. Comment je suis oui. Je le mets dans ma main. Non, non, tu regardes dessus, tu mets en hover dessus, tu me passes ta souris dessus. Il est marqué Armara, Astral Sorcery et Aviar Vitas. Voilà, donc là ce que tu fais c'est que tu prends ton livre, tu fais Shift-Click. Ouais, et je pose là-dedans. Et tu mets tes Constellation Papers dedans. C'est fait. Moi c'est bien pour que les ranger tranquillement. C'est fait, monsieur Dilo. Et je crois qu'on peut se casser. Normalement, si je dis pas de conneries, on peut se barrer. Et on a terminé le mode, les gens. Tout le reste se fait pas ici. Bon, donc, parfait, en ce cas. Tu vas m'enfermer, c'est ça? Voilà. Ce que j'allais dire. C'est vrai que tu voles, toi. Oui, toujours. Mais non, j'ai fait un slash spawn. Ah oui, il est comme ça, lui. Mais il est ouvert à tout le monde, le slash spawn. Ah, pour vrai? Bah, bien sûr. Oh, bah, je savais pas. Attention, Zilou. Je spawn. Je dois pas bouger pendant 5 secondes. Oui. Bouge pas. Ah, bah alors. Bonjour. Bonjour. Il faut repartir chez toi. D'accord. Rifi, Fifi, Loulou. Parti. Maintenant, il faut créer une plateforme haut. Assez haut. Dans quel sens haut? Dans le sens, il faut être au minimum à la couche 120. Ah! Donc il faut être là. Il est où? Je vois juste du feu. Je ne vous vois plus. Je suis là. Je ne vois plus, monsieur Dilou. Il faut faire une plateforme si haut que ça, mais moi je vole pas là. Bah tu peux faire une plateforme sans voler. Ouais mais il va falloir des blocs pas à peu près là. Il va falloir des escaliers, il va falloir des blocs. Après tu peux commencer ici hein, mais ça marchera moins bien quoi. On va faire les choses bien. On va commencer par créer des escaliers là. Sinon t'as une technique ancestrale ninja. Une échelle. C'est pas plus pratique qu'un escalier. Et puis ou sinon comme te dit Milos. De la laine. Des téléporteurs. Des téléporteurs que des élévateurs. De la laine et puis. Ouais des élévateurs. Mais les élévateurs je crois que c'est 16 blocs maximum, le confort des étages. 16 bah, ouvres, tu fais des étages puis tu m'emmerdes. Ah c'est juste pas, ça un élévateur. Ah ouais, mais c'est pas laine et puis un Enderpearl, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, bah, j'ai ce qu'il faut. Je crois. On a un truc qui fait de la laine, Gara. T'as des strings. D'accord, on a pas de truc qui fait de la laine, c'est ce qui. Ah si, mais t'as des strings, tu les modifies. Oui, non, mais c'est ce que je te dis. Dans le sens, on a pas de. On a pas de truc automatique qui fait de la laine ou je sais pas quoi. Quoi. Non. Wouhou! 17, c'est pas. Ce sera assez ou pas? C'est pas. De quoi 17? 17 ah de bah oui. Pour créer des élévateurs, est-ce que j'en aurai assez? Oh bah oui. Quoi, 17 élévateurs ou 17 laines? Non, pas 17 élévateurs. 17 laines. Ah, bah il te faut. Je vais m'en créer 3 élévateurs parce qu'on a dit qu'il y avait peut-être une limite. Je vais m'en créer 3 au cas où.
Non, il n'y a pas de limite en hauteur. Par contre, il y a... il te faudra plus que 3 élévateurs. Il m'en faudra combien? Bah, on est en 86. Il faut que tu montes de 114 blocs. De 114, bah oui, bien sûr. J'ai pas compris. De 34 blocs. Faut vraiment que j'aille me coucher. 8 élévateurs, c'est assez ou pas? C'est 16 de limite entre chaque élévateur. Donc? De quoi? Donc 16 élévateurs. 8 élévateurs, c'est assez? Ah oui, 8 élévateurs, oui, bien sûr. Oui, oui, t'as assez, 8 élévateurs pour monter. Il t'en faut 4, quoi. Ah d'accord. Et moi, je voulais juste me dire un nombre et basta, quoi. Alors, ouais. Donc. Moi je fais des beaux trucs, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Je fais des beaux trucs. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Marc, le seul mode que je maîtrise. Je suis un mode à part entière. C'est ça. Tu vois? Bravo. C'est joli, hein? Bravo, bête. T'es pas d'accord? Mmh. Allez, est-ce que tu peux placer les élévateurs? Comme ça, j'ai pas besoin de. Toi, tu voles? Ouais. Il est parti. Dis-lou? Ou alors, tu me crées un angel block, s'il te plaît. Comment on peut créer des angel blocks? Non, mais attends, je veux juste comprendre pourquoi tu peux pas voler et poser un bloc. Ça fonctionne pas. Bah non, tu peux pas poser de bloc. En fait, tu peux pas poser un bloc dans le vide. D'accord. Donc, il me faut un angel block. Bon, bah ça va être trop pour compliqué. Pouvoir le poser. Bah, en soi, si tu fais non. L'angel block est le seul qui se peut pose voler, d'où son nom de angel block. En soi, tu fais ça, Marc, regarde. Oui, je vais faire une tour dégueulasse. Ouais, c'est ça. Non mais sinon, si tu me fais un angel block, je peux te le faire. C'est dur à faire un angel block? Pourquoi? Non, c'est des gold nuggets. Bah vas-y, bah fais faire un angel block. Ouais, je trouve pas angel block en fait. T'es sûr que ça s'appelle comme ça? A-N-G-E-L, angel. Ouais, moi j'ai angelic stand, mais y a pas d'angel... Ah, il est là, angel block, putain, il était caché. Ah bah c'est, non, c'est un lingot d'or. Ouais, ça va, on a, deux plumes. On a, t'inquiète. Je t'en crée plus que un ou... Un seul, ça me va. D'accord. On a dit un Lego, hein. Oui. Il est où, l'or? Il est là, là. Egara. Ouais. Aïe. Méchant. Un obsidian. Et des plumes. Et deux plumes. Que j'en ai sur moi? J'en ai plus sur moi. Je t'ai mis une tarte à la main, connard. Bah ça, j'ai... On a les plumes, quelque part, je crois que oui. Hein. T'as une armure. Moi, j'ai quand même pas de talon. Moi j'ai un pantalon. Non, mais le pantalon il est là. Hein. Ah bah donne. Ah bah, ah oui, en plus tu m'as filé le Divine Leggings. Bah oui. Moi, bah vas-y, tu le prends, le vraiment, j'ai pas besoin. Il y a un poulet qui fait des plumes. Oula, le serveur qui a pas aimé là. Ah oui, le serveur il est du mal. Gara. Ouais. On a eu un truc qui fait des plumes. Attends, ici, c'est bon. Merci. Bah, les poulets, en soi, il y en a. Ouais. J'ai pas fait la production. je pensais que t'avais fait de la production. Non, j'ai pas de. Bizarrement, il n'y a pas de poulets qui produisent que des plumes. Tu vois. Triste. Tenez, monsieur. Poup. Vous avez votre cube Zelda, monsieur Lego. Je vous donne les élévateurs. Tenez, monsieur. Ouais, s'il te plaît. En fait, il en faut un. Reculez. Il se casse après, il réapparaît le truc ou tu le perds, l'angel block? Reculez, monsieur. Quoi? Tout va bien se passer. L'angel block. Ouais. Tu l'utilises à l'infini ou une seule fois? Bah, ouais, bien sûr. Ok, non, je sais pas. Du coup, tu peux le poser dans l'air celui-là, c'est trop bien. Il aime taper avec son gros marteau. Je crois que c'est 20 blocs. C'est 20 blocs maximum. Et je crois. Puis tu fais pouf et j'ai décidé de le mettre là. Je vais essayer. Tu fais juste tu le poses comme si d'accord. comme si moi, tu je voulais le mettre poser, plus quoi. Haut là.
Ah ouais, d'accord. Ouais, comme si tu... C'est trop bien. Mais tu le mets où il va, quoi. Cadeau. Donc par contre, garde mieux la coordonnée. En... Moins 10, en... 10. Non, mais en hauteur. En 86. On a 86 là. Alors, je regarde, on a 86. Ok, 86. Du coup, c'est 85. Hauteur, va, regarde, voilà, 105, regarde. Si c'est 20. Je crois que c'est 20. Dilou, c'est comme presque une fusée. Pour moi, c'est 16. Hein. 16 ? Moi, j'avais même pas plus. Au pire, c'est 16. Ah, merde, non, ben non, c'est pas... De quoi ? Ouais, je le mettrai en dessous, au pire. Ouais, ce tu le mets en dessous. Pas... Enfin, ce sera 19, mais... Ah, c'est pas grave. Donc, donc. T'enlèves, c'est bon ? Ah ! Ouais. Ouf, il est tombé sur le bas. Bon, ça va, c'est bon, là, ça marche, du coup. Ça marche ? Oui. Ah ! Ah, me pousser. Par contre, fais gaffe. Hein. Vous pouvez éviter de remonter, s'il vous plaît ? Est-ce que je puisse me passer ? Faudra mettre des torches. Tu vas t'en occuper, gars. Tu veux partir, regarde. Est-ce que je n'ai ? Mais à chaque fois que je sneak, du coup, je... Oui, oui, non, faut pas sneaker. Je mets 4 torches. Non, non, ça. Ah, il est pas aligné. Il est pas aligné ? Non. Qui met des trucs... Il faut le décaler vers là où t'es. Voilà. Ah, bah... Oui, faut pas sneak. Du coup... C'est chiant pour poser les blocs sans sneak. Donne bloc à moi. Ah ouais, mais non, ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais encore comme connerie là. C'était où ? T'as un élévateur ici. Ouais, moi je vole. Niquez-vous, moi je vole. Moi je mets des torches, du coup. Ça va, c'est plus efficace comme ça. Oui. Coucou. Vas-y, je te laisse faire la suite. Ah, ça va être long, hein, les gars. Tu veux monter jusqu'à où, comme ça? Ah bah, jusque là. C'est bon. Ah, jusque là où t'es. Tu sais quoi, en fait, descends. Flemme, donne-moi plein de slabs. J'ai parce que vous construisez au slab, je suppose. Moi, c'est ce que je fais. Après, on peut faire les blocs, mais je vais faire des slabs. J'ai des blocs. Ah bah, donne-moi des blocs, hein, m'en fous. Non, mais t'inquiète. Donne-moi des trucs. Tiens. Donne-moi ton cœur. Parce que j'ai un truc qui est magique, qui s'appelle... Oui, le truc, oui, je sais, je l'ai vu. Tu me l'as déjà montré, le truc de la Builder Wands, là. Regarde, là-bas. Tu connais la Builder Wands, Marc ? Derrière toi. Hein, Marc ? Non, moi je veux pas expérimenter des trucs. La dernière fois que j'ai expérimenté des trucs, on m'a fait exploser. Non, oui. La Builder Wands, elle est bien. Je oui, n'expérimente plus rien. Regarde. Viens, regarde. Je regarde. Hein ? Non, mais monte. Ah, d'accord. Monte, monte. Oh, y'a pas de soucis. Ah, merde, faut pas. Faut pas qu'on. Là, je sneak par contre après. Voilà. Si tu vas me pousser, hein, là, je le sens. J'ai ma wand. Donc. Ah, c'est la vie, ça. Fond. Mais c'est pas la même en plus, c'est une autre que t'as là. Non, c'est la diamant noir. T'en avais une autre. Non, c'était Tal qui avait l'autre. Ah ouais, Tal avait l'autre. Mais c'est la vie, ça. L'autre cheaté, l'autre Tal. Pose une torche, gars. Non. Oui, non, ici, pose une torche. Non. Non. Merci. C'est la vie, ce que t'as, dis-nous. Ah, c'est super cher en plus. Hein. Oui. C'est un diamant, deux sticks. Hein. Sérieux? Littéralement. Mais je vais faire ça, moi. Putain, on va tout on s'est fait chier. Y'a des torches, gars. Allez, arrête de sneaker, là. Pourquoi tu sneak, là? Que j'ai peur. Il faut une torche ici. Ah, merde. Ah. Par contre, faut faire attention. Mets des torches, gars. Il va la faille. Oui, bah attends, il casse les trucs. Il est tout brisé, là.
Ça, c'est le danger. Si tu cliques à côté, t'as l'air con. Find the light dans 10 minutes. Ouh! Ah ouais, déjà? Bah de quoi déjà? Ça fait... Ouais, ça 3h30 là. Ça va faire 3h30. Je peux aller manger, voilà. Hein, aussi, des fois. J'ai le droit de me nourrir. Tu fais, là? Ou t'as plus de slab? Ça, c'est bon. Bah, j'en sais rien, j'ai plus de slab. Mets des torches, Gara. Maintenant, je t'invite à poser ton... Mets des torches, Gara. Mets des torches, Gara. Oui, je suis en train de torcher, t'inquiète. Je vais te torcher. Il y a un endroit ici, là. Du coup... Je t'invite à le poser. Poser quoi? Ça? Oui, c'est bien. Tu regardes au milieu. Oh, y a une dedans, barre. Tu as donc la table de craft et la barre qui te dit quelle quantité d'énergie des étoiles tu as. Vive les étoiles. Voilà, c'est des trucs avec les étoiles, c'est bien sérieux. Pourquoi j'ai pas la barre pleine là? Je sais pas pourquoi, je sens que Marc va tomber souvent de là-haut. Pourquoi la barre est pas pleine? Oui. Parce qu'on est pas assez haut? Ah non. Parce qu'il fait jour. Non? Parce qu'il y a un nuage? Parce qu'il y a un soleil? Ouais, parce qu'il y a un soleil, parce qu'il fait jour. Mais ce putain, c'est ce qu'on a dit! Il peut pas répondre, lui! C'est ce que j'ai dit, en plus. Pire que mon professeur de maths, quoi. C'est le gros con. Et oui, c'est parce qu'il fait nuit. Donc en fait, faut jouer la nuit. Enfin, il fait jour, du moins. Donc ça, c'est un truc qui se fait surtout la nuit. C'est pour ça que c'est chiant, en fait, des fois. C'est pour ça que je fais le relou et que je vous demande de ne pas passer. De pas faire dodo. Ouais. Et du coup, il va faire le relou aussi l'autre. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut crafter d'après? Je sais pas moi. On reste dans Discovery peux, ou... Donc là, on, par la suite, il te propose de crafter. Suivant, de l'or. Le Starlight. Où tu vois ça, toi? Bah, dans ton. Ah, c'est plus dans Discovery. Dans ton livre de quête sur la droite. Dans le livre de quête ou dans. Le livre du oui, truc Oui, dans le livre de quête sur la droite. J'ai pas le bon livre. Hop. Tu sais que tu peux. Alors, t'es pas obligé d'avoir le livre sur toi. Ils font un cristal. Ouais, mais ils sont chiants, ils veulent avoir le livre comme service. Ils font un cristal. Un cristal. Cristal qu'on obtient. Cristal que t'obtiens. Comme ça. Et, mais. Chrome. D'accord. Mais pourquoi moi j'ai déjà un cristal? Tu veux que si t'as le aussi. Riche slag, t'as besoin du slag normal ou quoi? Comment on a un cristal? Bah pourquoi j'ai un cristal? Dans le doute, c'est peut-être parce que je viens de te le donner. Oui, non, mais je veux dire, pourquoi on a... Je peux construire de quoi de normal avec cette table de craft ou pas? Non. Construire quoi? Une table de craft merdique. Non. Bah tu construis ce que tu veux en soi. Bah alors... non, c'est pas une... Ah si? Je sais pas, je l'ai posé à côté. J'en fous. Mais non, mais je veux dire, comment tu fais toi pour. Comment t'as fait pour avoir eu le Rock Crystal? Le Rock Crystal, il se mine. Soit tu le trouves dans les minerais, soit tu le trouves. Qu'est-ce que tu fais dans le. De quoi? Dans le laser le... Que 33 m'a fait. D'accord. Mmh. Et bon, oh, vu que j'en ai un peu beaucoup. Tu m'as dit quoi? Parce que je les casse à la Fortune 3. C'est quoi que vous voulez? Non, ils font des cristals. Mais du coup, le Starlight... Le Starlight... il me faut un Starlight, Starlight Bucket. Eh ben, il faut attendre. Ah, ça monte, là. En fait, je comprends pas trop ce qu'il faut faire, ni comment, là. En fait. Comment ça? Bah, il me faut un bucket. Il faut aussi un bucket de liquide Starlight. Ah, il te faut un bucket de liquide Starlight. Ouais. J'avais oublié ça. J'ai un bucket, donc, vide. Le... Je fais quoi pour l'avoir? Je fais clic droit sur la table et je... Non. Pardon, non. C'est... Il faut le Lightwell. Le Lightwell. Lightwell. Ah, Lightwell. D'accord, il faut du... Ah ouais, il faut des... Du chisel et tout, quoi. Bah, chisel, en soi, c'est pas très grave. Chisel, ça va, c'est pas très difficile à faire. Ouais, mais j'ai clairement pas assez de marble, là. Pour tout faire ça, quoi.
T'as pas assez de marble? Non, j'ai pas assez de marbre. Il faut genre un million de... Un million de Comment tout ça, le temps. T'as pas assez de marbre? Mais regarde tout ce qu'il me faut en marbre. Il faut des marbres. Pour le lightwell? Ouais, ouais, pour le lightwell. Il faut 5 marbres? Non, il me faut des marbres différents. Exemple, pour avoir le chisel marbre, bah il faut que je mette les 4 marbres, ça va. Mais il m'en faut 4. Mais non! Mais non! Mais c'est ce qui t'écrit. Mais il faut un chisel. Tu prends un chisel. Fais-toi un chisel. On en avait un dans le coffre, je sais plus, il est où. Mais il est dans le coffre. Je peux m'en faire un. Dépendant. Tu peux t'en faire un. Dépendant ce que ça prend. C'est un stick et. Un stick et un. Attends, un Lego de ce que tu veux. Ah, un Lego de ce que je veux, d'accord. Comme ça, c'est cool. Tu peux le faire avec du fer, tu peux le faire au diamant, tu peux le faire. Je sais plus comment. Il faut placer où déjà le Lego et le bois. Je sais plus. En travers. Fantastique. Ah non, je peux pas le faire ce que je veux, hein. Y a pas de chisel en or. Voilà. Et le seul Lego que j'ai. Tu peux le taper, dis-lou. Tiens. Tu peux le taper. Mais de quoi? Pourquoi? Pourquoi me taper? C'est vous qui m'avez dit n'importe quel lingot. Tu sais que c'est pas dur, tu peux redescendre. Non mais je sais, mais je suis pas raison. À l'aide. J'ai pas envie de redescendre. Tu sais dans quoi tu t'embarques du coup. Moi je redescends. Ah. Moi je redescends. Regarde. Oui. On se couvre. T'es où? Regarde moi. Attends, t'es où? T'es où? Je suis en haut. Oui. Je te dis quand même qu'avec. Il s'est petit suicidé. Ah, miaou hein. Comment ça, miaou? Oui, il y a un miaou. Oui, il y a des miaou ici. Moi, je suis persuadé que j'aurais pas assez de trucs. Bon. J'ai la chisel. Eh ben, tu prends du marbre. T'as combien de marbre sur J'en ai juste 5, c'est ce que je te dis. J'en ai clairement pas assez. C'est ce que je dis depuis le début. Ça m'écoute. Mais j'avais pas entendu que t'en avais 5. Mais non, mais t'en auras 5. T'en auras assez si il en faut 5. T'en as 5, il en faut 5. Ouais, mais pour faire du ruine, il faut pas. Juste. Pour faire du ruine, il faut pas du. En fait, pour. Non, mais tu avec un marbre, tu le passes dans le chisel et ça devient. Ça devient celui. Ça devient l'autre, quoi. Je sais plus comment utiliser ce chisel. Ah, c'est ça. Tu cliques dans le vide avec ton. Alors il faut quoi? Tu peux me dire je pense pas que je peux ouvrir les deux trucs en même temps, non? Ah non, tu peux pas ouvrir. Attends. Le Lightwell, il te faut 3 runes de marbre. Runes de marbre. Et 2 chiseled. Attends. Runes de marbre. Ah, ici. Bon, il en a fait 5, c'est pas ça que je voulais, mais je peux les en remettre, donc c'est pas grave. Et du chisel normal. Deux chisel. Du marble rat? Non, chisel de marble. Ah d'accord, il y a vraiment le chisel. C'est en bas, c'est dans les derniers à chaque fois. Ah d'accord. Ah coucou. Je crois que c'est ça. Ah coucou. C'est le Père Noël. Coucou Père Noël. Je crois que j'ai fait une connerie, Thals. Ouais, tu les as lancés sur Astral? Non, il a lancé Marc. Je lui apprends Astral. Oh merde. Alors, comment on fait? C'est comment? Il faut du liquide. D'ailleurs, je vais tester un truc. T'as des cartons? Liquide. Tu cardboard box, ouais. Starlight. Ouais. T'en as en stock, je crois. Ouais, ouais. Oui, vas-y. Tu l'as fait le Lightwell? Non. Light. Well. Hop. Ah, parce que sur cette table de craft là, tu peux pas. Il prend pas les ressources que t'as, toi. Si. Bah, il veut pas. Ah non, il me dit qu'il manque un ruine. Et sérieux, hein? Je vais en faire un autre. Hein. Casse pas les couilles. Putain. Hein? Ouais, c'est juste qu'avec le J8 bizarre, je le voyais pas. Voilà.
Et maintenant, tu fais un clic droit avec ta baguette sur la table. J'invoque Dieu ! La Thals arrive. Non, on a déjà dit, il faut laisser papa en dehors de ça. Bonjour. Et donc, en fait, ça, ce truc-là, c'est pour avoir de la lumière des étoiles liquides. Ouais. Sinon, la drogue, c'est bien, non ? c'est du liquide Starlight. D'accord. J'imagine qu'il faut mettre de quoi dedans, non ? En fait, il faut faire ça. Tu prends un rock cristal, tu cliques dedans. Et là, en fait, ça fait du liquide. Ça pas marche pas. Faut attendre qu'il. Ah d'accord, faut attendre qu'il ce Starlight là. Fais shift en le regardant. Et tu vois, il y a combien de liquide il a. D'accord. Mais ça, tu me dis que Trom, il en a dans son mineur. Oui, dans le truc en bas. Ah. Faut pas crier. Bon café. Merci. Mais je sais pas, je me suis retourné à Gara Kapop. Oh, faudra tu mettre des barrières. Pas. C'est pas moi. Enfin, moi, je suis innocent. Et là, j'imagine que comme la lave, c'est à partir de 1000. Ah, merci. Ouais, oui. De toute façon, un bucket, c'est 1000 millibuckets, dans le doute. Ah, j'avais jamais compris. J'avais jamais catché que c'était millibuckets. Ce sont des millibuckets. Ah bah on est bien là. Ah on est bien. Du coup, il me faut. Il va arrêter de rire de moi lui. Lui il fait juste des poulets. Au secours. C'est en fait. Je crois que j'étais pas rendu compte. Il fait slag, Gara. Hein ? Et non, il est pas encore fini là, il est en train de commencer. Je viens juste de l'avoir. Attends, il te reste une petite pierre sur toi du coup. Ouais, tu peux en mettre. Reste quoi tu dis ? Une petite pierre. Attends, la question. T'en mets deux. Merci. Je le mets à côté de la place du slag là. Je le mets à côté. Je vais garder les deux de toute façon. Donc... Il faut deux chisel marble. Le temps que l'autre il soit bien fait de toute façon, il en faut avoir d'autres. Ouais, mais je... Il faut deux chisel marble. Des slags avec du slag normal. Oui, non, mais oui, je sais, j'ai compris. En fait, le temps que je finisse le riche slag, il y aura le slag avant. Y'a moyen d'automatiser le marbre. De marbre automatisé. Y'a moyen de le faire avec Mystical Agriculture. Pourquoi ça fonctionne pas, Dilo ? C'est bien clic droit. Ah bah là, c'est parce que, regarde, la lumière, elle redescend. Ouais, et alors ? C'est-à-dire qu'il fait jour. Bah, il commence à faire jour, donc là, c'est trop tard. Y'a plus d'étoiles. Oui, mais il y a encore... la barre est... Il faut tout le temps que la barre soit... pleine ? En fait, non, normalement, tu as une petite zone bleue. Tu as une barre bleue un peu plus sombre, transparente voilà. En dessous. Il faut que la barre soit au fond. Et puis. Voilà. Et en fait, pour faire simple, si tu n'as pas l'image sur la droite du craft, c'est que c'est pas bon. Bah, je me doute, hein, mais. Là, tu voulais. C'était pour. Ouais, c'était pour faire ce que tu m'as demandé, le 2, Starlight Crafting Altar. Bon, voilà. On attend la nuit, du coup. Ah, bah là, il faut attendre la nuit. Et bah là, prépare les recettes pour la prochaine nuit. C'est ça. Et bah d'ailleurs, en regardant dans ton livre. Il faut le retrouver, je crois que c'est dans Exploration. Il s'appelle Starlight Crafting. Ouais, quand tu vas dans ton livre, si tu fais molette arrière, tu as plusieurs sortes de galaxies. Ouais, je sais, mais pour le moment j'en ai juste deux. Voilà, donc tu as normalement Discovery, Exploration. Ouais, je te confirme. Double-clic sur Exploration. Ouais, je suis dessus. Voilà, et tu as le Starlight Crafting Altar. Ouais. Au milieu, le deuxième important du dessus.
Ouais, je l'ai. Et c'est pas sur la page d'après. Ouais, tu me dis. Il te montre. Faut que je crée ça. C'est ça. Voilà. Mais ce sera une fois que tu l'auras transformé, ça. D'accord. Il faut le transformer avant, et puis ensuite, faut créer cet alpha. D'accord. Donc maintenant, bah, il te faut du marble, plein marble. Et du marbre, on en a. On a un truc qui fait du marbre ou je sais plus. C'est ce que te disait Tals là tout de suite. Qu'est-ce qu'il disait? Bah tu peux en avoir par Mystical. Après sinon tu fais comme moi, tu vas voir un. Tu vas dans le monde mining et tu. Ouais, tu vas dans le monde mining, tu prends un temple et tu fais oups, il y a plus de temple. D'accord. Mais y a pas moyen de le récolter avec les trucs qu'on a, c'est ça? Oh bah il doit y avoir, j'en sais rien. Moi j'ai pas trouvé. Tals, tu me demandais les cartons pour faire quoi? Je voulais voir si le cristal on pouvait le déplacer, mais non, il a été protégé. Ah bah oui. Ouais, c'est toujours intéressant d'avoir des idées à la con, il y a des fois ça donne des trucs rigolos. Attention, Tromlog, je passe. Boum, à mince. Tu passes où? Dans le monde du minage. Hein? Il nous a demandé de lui avertir, donc je l'avertis. Ça me stresse. Je regarde ton live, Marc, ça me stresse. Pourquoi? Avoir le. Aussi gros, c'est. Bah, j'ai pas le choix. Ne pas te mettre en médium quand t'es en plein écran. Je peux pas. Avec tu peux pas. Avec mon nouvel écran, je peux pas. L'écran est trop grand, sinon t'as peur de plus rien voir. Bah, on voit plus rien en fait. C'est pas j'ai peur, c'est qu'on voit plus rien, on a fait le test. En fait, il faut qu'il change sa résolution dans le launcher. Sans doute. C'est bête. Avoir un écran 4K et pas pouvoir l'utiliser. Ah, je l'utilise, hein, je vois. Vous sur le live, vous n'avez pas le. Ah, on est qu'une bande de sacs. Bah, je vais pas vous dire, hein, c'est juste les mods, hein, qui font bugger, hein, parce que tout ce qui est Minecraft Vanilla fonctionne parfaitement. Donc, Oui. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on s'est dit. Marmotte, chocolat dans le papier d'alu, tout ça. Quoi? Il a créé un peu de Reichstag? Non. Mais je suis même pas sûr que si je change dans le launcher, ça va changer quoi que ce soit. Parce que je te dis, c'est juste l'affichage des. Non, mais c'est juste l'affichage quand j'utilise un mod. Et non pas que. Non, c'est l'affichage de ton GUI. Oui, non, je sais. Oui, je le sais. Mais quand ça rentre pas dans le GUI auto, c'est un mod. C'est le mod. Non, c'est juste que là, ton interface, elle est très large, elle est très zoomée. Non, en fait, mais c'est tout. Il comprend pas là. Même quand tu fais le menu, en fait, t'es très zoomé. Mais le GUI est en mode automatique. Mais le GUI de Minecraft ne s'adapte pas aux fenêtres des modes. C'est ce que je te dis. Donc, le storage qu'on a et tout ça, bah, c'est tous des modes. Donc, c'est pour ça que le GUI n'est pas capable de s'adapter. Et qu'il ne resize pas les trucs comme il faut, parce que c'est pas du Minecraft Vanilla. Hein. Fait que comme je te dis, je pense que même si je le change dans le launcher, je suis pas sûr que ça va. Si tu mets une résolution d'écran plus faible que celle de la 4K, ça sera déjà un peu mieux. Donc, utilité sur 20. Voilà. C'est ça. Pour un écran 4K. Non, ben, mon écran 4K, il sert. Pour d'autres jeux, oui. Après, pour Minecraft, le 4K. Ouais, Minecraft est en 4K, en pensant. Vous savez. C'est juste pas la version Java qui est en 4K. Pareil, utilité sur 20, Minecraft. Donc du coup, Minecraft n'est pas en 4K. Bah non, Minecraft Windows Edition, je vais pas vous le dire. C'est bientôt la Java n'existera plus. Hein. Microsoft l'a dit. Hein. Donc habituez-vous. Ah, bah, ah non, super. Allez, laissez la Java tranquille. Non, elle existera toujours, t'inquiète pas. Ouais, non, mais il y aura plus rien de fait dessus. Hein. Donc ça va être un bordel. Hein. Si, t'inquiète. Bah non, Microsoft l'a dit. Putain, j'ai eu le communiqué. Si t'abandonnes la Java Edition, il y aura plus personne qui va jouer à Minecraft. Bah, c'est ça. Bah, c'est ça qu'ils veulent. C'est ce qu'il veut. Ce qui fait vivre le jeu, c'est les modeurs.
C'est ça. Bah, je veux pas vous le dire, mais il y a plus de versions Minecraft Windows Edition que de Minecraft Java Edition. Parce que la Windows Edition, c'est elle qui roule sur les consoles. Oui, mais voilà, ceux qui jouent sur les consoles, oui, là, on peut vraiment appeler ça des joueurs de Minecraft. Non, non, mais ça, sont, ils s'en foutent. Non, mais PC Master Race, non, non, mais, non, mais ça, non, mais ça, Taz, ils s'en foutent, eux. Ils regardent le nombre de joueurs. Il y a plus de joueurs sur les Minecraft Windows Edition que les joueurs sur le Minecraft Java. Les autres, ils vont en termes de stats. C'est pas plus compliqué. Je dis pas le contraire. Bah, là, le vanilla n'avancera plus. Mais les modeurs vont continuer à développer. Ah oui, ça oui, mais je veux dire, à un moment donné... Non, c'est juste parce qu'à un moment donné, si la Java... C'est pas juste les ajouts de la version Java. C'est qu'elle ne sera plus non plus réparée si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit. C'est ce qui va arriver. C'est pas grave. Microsoft, c'est quand même l'écran génie de casser et réparer sur un simple reboot. Hein. Non, mais c'est ce que je te dis. Si à un moment donné ils font une mise à jour et ça casse tout, ben ils s'en foutent parce qu'ils vont avoir abandonné la version. C'est juste, Bien, pote informaticien. Windows, c'est magique. C'est le seul logiciel au monde qui arrive à se réparer tout seul en redémarrant. Ce serait bien si t'es pas le seul logiciel au monde qui se cassait pas tout seul en redémarrant. Ouais, ben je veux pas te le dire, mais 90% des logiciels en informatique se réparent en redémarrant le logiciel. Aujourd'hui, oui. Mais à l'époque où il me disait ça, non. Oui, non. Je vais préférer le craft de la table suivante. Deux à quoi ? Des chiens. Des pieds. Pof, pof. Parfait. Et de base, vous voulez bien laisser mon écran 4K tranquille ? Non, t'as rien fait à ton écran 4K. Ah non ? Mais sûr que non, on le laissera pas. Non, bon, mes consoles sont en 4K et je joue sur console. Voilà, pas plus compliqué. Bah, je joue sur console alors. T'auras pas de mode pack ? Non, mais y'a pas de mode pack. C'est bien celui que tu fais. C'est ce que je dis. Malgré qu'il y a des mods maintenant sur Minecraft console maintenant. Mais c'est des mods de merde. Oh, j'ai joué longtemps la version console. De Minecraft ? Ouais. Pourquoi t'as fait ça ? Hérétique. Bah, parce que. Parce qu'à l'époque, à l'époque, si j'avais un PC de merde, hein. Donc voilà. Quand j'étais jeune, j'avais. Bah, moi aussi, j'avais un PC de merde. Quand j'étais jeune. Tourné Minecraft, quand même. Ah non, non. Je te parle d'il y a 15 ans, mon Minecraft. Oui, Sais. Non, non. Mon PC que j'avais, moi, c'était le PC de famille qui avait de la misère à ouvrir Outlook, là. Bah, j'avais le même que toi, t'inquiète. Donc il roulait pas du tout, il roulait pas du tout Minecraft là. Si il ouvrait mais en graphisme très bas et... Non même en graphisme très bas j'arrivais pas. Il plantait là, c'était l'enfer là. Je pouvais rien faire hein, sur ce PC, il roulait même pas Dofus. Hein, j'ai les crânes de Star Metal. Il roulait même pas Dofus donc... Je ne dirai rien puisqu'on est en stream. Mais je le pense très fort. Je sais, c'est pour ça que je te le dis. Parce que là, je sais que tu ne peux pas répondre. Le sac à... Il en profite. Bah oui. Ouais, à un moment donné, il faudrait que les modders commencent à utiliser les autres versions de Minecraft, ce serait cool. Non, ça n'ira jamais. Fin... Bah, il y a des trucs... Rien, en fait. Ah non, il y a des trucs qui ont rajouté Minecraft derrière moi qui sont vraiment cool. Hein. Juste les nouvelles cavernes, les nouveaux nethers et tout ça. Oui, mais c'est pas stable. Mais ça arrivera sur Java. Mais c'est pas stable. Non, mais c'est déjà sur Java. C'est pas ce que je dis. Bah voilà. Je dis juste que les modders, il faudrait qu'ils commencent à développer des mods pour ces versions-là. Ce qu'ils n'ont pas fait. Bah, tu sais quoi, après, le truc, c'est que... Les nouvelles cavernes s'appellent le Deep Dark, parce que c'est absolument de là que vient le biome. Et le nouveau Nether s'appelle Biome of Plenty. Ouais, oui et non, là. Plus si que non, du coup, mais... De même, les chevaux ça s'appelle Mo Creatures, le rework des océans s'appelle Biome Plenty et Mo Creatures. Je peux tous les faire. Oui, non, mais c'est pas parce qu'ils s'inspirent des mods qui sont identiques pareil. Là c'est. Non, bah forcément, c'est pas identique. Donné, il y a intérêt que ce soit pas identique. Sinon ils se font taper sur les autres. Sinon, ils se font taper dessus. Donc, ouais. Bah non, c'est leur propriété. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent bouffer tous les mods et dire maintenant, ça, ce que vous avez fait, c'est à nous et on le vend en produit en tant que produit, ils sont pas forcément droits. Non, ça reste de la propriété intellectuelle. Tu cherches quoi, Trom ? J'attends. Bah, je sais pas si ça. Je sais pas si ça rentre dans la propriété intellectuelle parce que. Et propriété de... Parce qu'il faut... Il te faut combien de slugs pour faire un reslug ? Mais ça marche pas en fait. Ah, ça marche pas ? D'accord.
Bon, j'attends juste un rich lag pour voir un peu. Ok. Attends, je vais t'en rajouter. Non, mais c'est bon, de toute façon, j'attends que. Non, mais je vais t'en rajouter juste des rich lag. Okay. Ça va aller un peu plus vite. C'est pas non plus énorme. Bon. La nuit, elle peut arriver, s'il vous plaît, là. Bon, dans tous les cas, il va falloir que j'y aille. Attends, je vais dormir. Hein non, c'est pas ça. Il va falloir que j'y aille. Que j'y aille. Que j'y aille. C'est moi, il faut que je trouve les. Ça va pas tarder, Dilou, t'inquiète pas. Faut que je trouve ma constellation là. T'as fait une lunette? Oui. Tu regardes dans les lunettes? Télescope même. Un touloscope. Un touloscope. C'est les touloscopes. Mais concernant ton truc de propriété intellectuelle, dis-moi, en fait, le problème c'est que quand tu publies un mode sur Minecraft, les gens n'y pas les petits. Les petits trucs que t'acceptes quand tu joues à Minecraft, et voilà pourquoi Microsoft peut faire ce qu'il veut avec. C'est le même. Parce que tout contenu créé pour Minecraft, il est écrit que tout contenu. Il y aura écrit noir sur blanc que tout contenu créé sur Minecraft, qu'il soit modifié ou pas les fichiers du jeu, ça va. Il appartient à Minecraft. Il appartient à Minecraft, automatique. Ouais, après ça sent les clauses abusives, ça. Ah oui, mais y a personne qui va s'estiner avec Microsoft parce que c'est Microsoft, quoi. Ça avait été le même combat autour de Skyrim avec Bethesda, ouais. Les modes Earthfire, Earthfilia, je sais plus, le mode qui te permettait de construire ta maison. À base, c'était un mode, c'est devenu un DLC. La seule différence avec Bethesda, c'est que Microsoft laisse les mods. Ce que Bethesda n'a pas fait. Bethesda avait tenté de les rendre payants sur je sais plus quoi. Ah, sur partout, hein. C'est partout. Il avait tenté de le rendre payant, point. Bon, ils ont pas réussi à bloquer les modes gratuits, mais ils ont ouvert leur truc de mode payant. Avec une commission pour le modeur, mais aussi et surtout une commission pour le studio. Ouais, la commission pour le modeur d'ailleurs qui était n'importe quoi. Je pense que c'était genre 0,5%. Pour un modeur, c'est vachement bien parce que ça veut dire que t'as un peu. Enfin, déjà, les modeurs ça leur fait un portfolio, entre guillemets, et derrière, ça fait une source de revenus pour un truc qui, pour la plupart, ils auraient fait gratuitement pour la communauté. Donc, c'est ça. Oui ou non. C'est comme dernièrement là sur GTA Online. Il y en a un qui a trouvé un truc qui permettait d'augmenter les temps de chargement, de réduire les temps de chargement. Ouais, mais ça c'est pas la même chose, c'est la première fois que Rockstar fait ça, hein. C'est pas... Bah du coup voilà, ils lui ont dit on va te prendre et on va te donner un truc. Ils vont l'engager. Ils l'ont fait. Non, ils l'ont pas engagé. Si, ils vont l'engager, je crois. Bah non, ils ont donné 10 000 $, c'est tout. D'accord, je pensais qu'ils allaient l'engager non. Après. Non, moi je veux bien qu'ils m'engagent. Non, mais c'est correct dans le sens que le gars est content, mais 10 000 $ pour Rockstar, il faut comprendre que c'est rien. Pour eux. Oui, c'est ça. $10 c'est du pain. Hein. Ça coûte beaucoup plus cher pour eux de former un employé, donc de l'engager, que de lui donner juste 10 000 $ et voilà. Bon, en soi, ils n'ont pas à le former du coup, vu qu'ils connaissent déjà, c'est ça le truc. Ah oui, il faut quand même que tu formes. C'est une entreprise là, t'embarques pas dans une entreprise. Pas parce que t'as développé quelque chose pour le jeu que tout d'un coup tu connais comment l'entreprise fonctionne. Il y a ça aussi là. Fait que pour eux, ça leur coûte bien moins cher de juste donner un chèque. Voilà, merci. Merci pour ton travail. Et il y a moins de risques aussi. Ouais. Bah oui. Oh, le jeu vient de me chétiser. Bon, avec ça, je vais être pas mal. Donc, j'ai fait le Celestial Altar, sauf que le truc d'avant n'a pas été compté. Ah. Il suffit de le reprendre. Il faut le reprendre en inventaire, non. Bah ouais, mais sauf que... Faut que tu sois passé par l'inventaire, il faut que tu fasses des choses. C'est ça, sauf que c'est pas dans la façon. C'est un truc que tu craftes. Dans l'inventaire, les altars. C'est un truc que tu construis. Tu transformes. C'est ça, c'est le... Non, c'est le truc que tu transformes. Oui, transformes. D'ailleurs, Marc, faudra que tu fasses attention à ça. Attention, l'ordre des quêtes. L'ordre des quêtes, et puis que quand tu fasses un altar, tu le casses, tu le prends dans ton inventaire, et puis tu le reposes après. Ce qui est logique. Pour valider les quêtes.
sinon c'est pas valide. Hopi. Hopi. Bonjour. Bonjour. On va aller déposer ça en haut. D'ailleurs, on doit pouvoir le créer là. Ouais. De quoi ? Tu veux créer ? Qu'est-ce que tu veux créer encore ? Et les transformations d'Altar sont vraiment super. C'est long hein ? Non, c'est joli, ouais. Les animations sont très jolies des Altar, ouais. Là pour le moment, ça fait pas grand-chose. Ah ! Voilà, c'est terminé. Wouhou. Bon, le reste, on fera ça plus tard. Hop, 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 hop. Trop de quêtes, con. Hop, hop, hop. Je suis coincé tout seul. Fait que là, du coup, tu me dis qu'il faut que je casse l'altar et que je le repose. Tu le casses, tu le prends dans ton inventaire, tu le reposes. Voilà. C'est fait, monsieur. Tout simplement pour que ça prenne en compte la quête. Ouais, ouais, ça, ça vient dans le bouquin. Et... Hopi. J'ai une soupe d'iron. Est-ce que je la bois ou pas ? Une soupe d'iron. Oui. Oui. Je suis pas sûr que c'est très bon pour la santé. J'entends. Tu veux goûter ? Non, ça va. Là, le serveur a du mal. Là. Il y a eu un petit rollback, ouais. Ouais. Tiens, regarde. Je veux pas goûter à ton truc dégueu là. Non, mais je veux pas goûter là. Purée de charcoal. Et ils m'ont donné des ours en bonbons. Des ours en bonbons. Je t'ai feinté. Tu veux, bon. tu veux des jelly beans ? Jelly beer. Non, ça va aller. Ah ouais, bref. Par contre, le. Dans tous les cas, merci beaucoup YouTube. Merci beaucoup le live à ceux qui étaient là pour le live. Moi, je vous dis. À très très bientôt, on se retrouvera pour soit du Minecraft soit autre chose, mais dans tous les cas, merci à Didou, merci à Tals, merci à Gara, merci à Trom Trom. De rien, et de rien. Je vais pas raconter des conneries. Ah, c'est pour ça qu'il dit pas merci à toi. Oui, j'ai dit, je lui ai dit. Bref, merci à tous d'avoir été là. Moi, je vous dis à très bientôt. Pensez à follow la chaîne Twitch et à follow également la chaîne YouTube. À très bientôt, au revoir. Au revoir, je t'aime. Au revoir.